Moussoukro est la terre de mes ancêtres. Rebondissement dans le 8e congrès extraordinaire du PDC RODA de Tidjantiam. Tidjantiam organise ainsi un 8e congrès extraordinaire du PDC RODA, le parti politique fondé par Félix Houphouët-Boigny. Tidjantiam profite de l'occasion et donne déjà une aperçu de son discours. Voici le discours triomphal de Tidjantiam au sein de son parti politique. Après sa grande victoire au sein du PDC RODA, M. Tidjantiam profite de l'occasion et rend ainsi un vibrant hommage à feu M. Henri Konan-Bédié. Pour plus de détails, après le générique. Terre sur laquelle... Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. En novembre dernier, la famille de l'ex-patron du PDC RODA, son Excellence Monsieur Aimé Henri Konan-Bédié, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, a dépêché une délégation à Yamoussoukro pour annoncer à la famille Boigny le décès tragique de l'illustre disparu, survenu en août dernier, seulement quelques jours avant la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est suite à cette considérable visite que le ministre M. Tidjantiam s'est rendu le mardi 12 décembre dernier à Daoukro, aux côtés de la famille du défunt, pour lui exprimer sa compassion. La visite du candidat au congrès du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire avait aussitôt pour but d'échanger sur les préparatifs des obsèques du SNIC de Daoukro, sachant que celui-ci est encore dans les locaux de l'Ivosec. M. Tidjantiam a profité de l'occasion. Il a parlé de son aîné, Aimé Henri Konan-Bédié. Son déplacement jusqu'au village de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire a rassuré les parents et lui ont, en retour, exprimé leur gratitude. Le show monte au 8e congrès extraordinaire du PDC RODA avec la présence de Jean-Louis Le Bilon qui s'oppose farouchement à la victoire de M. Tidjantiam et aussi l'apparition des populations du RSDP pour voir comment se déroule le PDC RODA avec M. Tidjantiam. Jean-Louis Le Bilon s'oppose farouchement au discours de M. Tidjantiam. Il affirme ceci: j'aurais préféré que Tidjantiam ne soit pas candidat en Côte d'Ivoire. Le candidat déclaré à l'investiture du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire du PDC RODA pour la présidentielle de 2025, l'ancien ministre du Commerce, Jean-Louis Le Bilon, a affirmé qu'il aurait préféré que l'ex-patron du Crédit Suisse, M. Tidjantiam, ne soit pas candidat en Côte d'Ivoire à l'élection à la présidence de son parti politique, qui n'a autre que le PDC RODA. Dans un entretien exclusif sur les réseaux sociaux, j'aurais préféré qu'il ne soit pas candidat à l'élection, a affirmé Jean-Louis Le Bilon dans une interview accordée à une source proche du PDC RODA et au 8e congrès extraordinaire du PDC RODA. Pour le patron du premier groupe agro-industriel de Côte d'Ivoire, le président du parti septuagénaire de la Côte d'Ivoire ne peut pas être son candidat à l'élection présidentielle comme il est de coutume. Le samedi 16 décembre 2023, le PDC RODA a tenu un giga congrès extraordinaire qui ne laissera personne indifférent en Côte d'Ivoire. Un giga congrès électif pour choisir un successeur à M. Henri Konan-Bédié, décédé le 1er août 2023. Après avoir dirigé le parti pendant 30 années déjà passées, deux candidats sont en lice, M. Tidjantiam et le maire de Cocody, Jean-Marc Yassi, qui a perdu face à Tidjantiam. Cité parmi les prétendants au poste de président du PDC RODA, Jean-Louis Le Bilon a renoncé. Il a renoncé en expliquant qui n'était pas éligible à la candidature au sein du PDC RODA comme Maurice Kouakou du Kayui. Toutefois, il a exprimé sa grande volonté d'être candidat à l'investiture du parti pour la présidentielle à venir en 2025. Mais que va-t-il se passer? L'élection du nouveau président du PDC RODA cristallise déjà des tensions au sein du PDC RODA. Si de nouveaux militants et sympathisants responsables de ce parti politique souhaitent voir Tidjantiam occuper ce poste, d'autres dénoncent ainsi une intronisation au forceps de violation des droits civiques et politiques du règlement du parti politique par la direction. Aujourd'hui, il y a trop de rivalité de personnes, trop de personnes qui se chamaillent sur les réseaux sociaux. Si on va découvrir un processus chaotique au Congrès, ça ne sera pas bon. Si c'est une personne qui se prononce contre un journaliste, les tensions vont monter. Si c'est un massacre,
que le PDCI-RD1 compte organiser, ce n'est pas bien. Nous avons tous des partisans, nous avons tous une idée derrière la tête de comment le parti doit être géré parti d'Antium. Si le congrès se passe mal, le président sera mal élu, a averti Jean-Louis Le Bilon.